Un plus. Alors, t'es contente? Alors, on est où là? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Thiago. Ah bon? Et qu'est-ce que vous allez faire pour l'anniversaire de Thiago? C'est une surprise. Oui. Est-ce que vous êtes bien? D'investigation, d'expectative, un courrier parvient entre les mains du pasteur Maud. Je vais vous le lire. Précédemment dans Maman tout simplement. J'ai passé une super journée avec Chris Marquez et Fovoto. Ah bon? Et toi aussi, tu vas participer à l'anniversaire? Oui. Et qui aura cet anniversaire? Il aura Victor, Aloïs, Pedro et voilà. Oh, et c'est qui, ses copains? Oui. Ah ok, d'accord. Et comment ça s'appelle? Tu connais toi le jeu? Il s'appelle comment? Je sais pas. Tu sais pas? Tu veux un compagnon? On va regarder. Allez, on y va, on te suit. Donc on va suivre Yana. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On va vivre une expérience sensorielle. Bonjour. Unique. Bonjour. On a un anniversaire en fait pour 10h45. Ok, coucou. Aujourd'hui, nous sommes à Sensas, qui est un nouveau concept unique en France. Salut maman. Maman tout simplement. Maman tout simplement. Où nous allons découvrir nos 5 sens dans l'obscurité la plus totale. Alors, t'es contente, ma puce? Oui. T'es impatiente? Oui. Ok. Ça marche. Alors, tu montes tes pistolets? C'est quoi ce pistolet? Hein? Ok. Oh, c'est Liana? Il est trop bien fait. Attends, je vois pas. Waouh. C'est trop fort. On est où là? Waouh. On fait l'anniversaire de Thiago. Avec ses copains. Voilà, on est à Sensas. Et nous, on est resté avec Isaac et c'est papa qui est parti à Sensas. Cette fois-ci, l'expérience qui est mise à rude épreuve est le goût. Vont-ils trouver qu'est-ce qu'ils sont en train de déguster? Un peu à l'art, vous l'avez. Ah ouais, tiens, montre à tes internautes. Ah. Bon, c'est pas grave. D'abord, on va prendre ça. Ouais. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge, t'as vu? Il bouge? Ouais. Il y a beaucoup de muscles. Hein. Et voici une nouvelle expérience, celle de la vue.
les enfants ne doivent absolument pas toucher les lasers. Ils doivent faire preuve de beaucoup d'agilité. Durant cette nouvelle épreuve, les enfants sont dans une énorme piscine à balles. Ils doivent chercher des objets afin d'obtenir plusieurs indices. Cette fois-ci, Liana et Thiago sont en binôme. Place à un nouveau challenge où ils doivent faire deviner à leurs camarades en mimant afin qu'ils devinent quel film il s'agit. Après l'effort, le réconfort. Et oui, je suis avec Isaac et nous avons tout préparé pour pouvoir faire un merveilleux anniversaire. Au programme, bonbons, gâteaux au chocolat, amusement et ouverture des cadeaux. Oh, mais on le Twitch, il est mort. C'est mieux par la Thiago a été très très gâté par ses copains. Et nous souhaitons un joyeux anniversaire encore à Thiago. Joyeux anniversaire. Tiens, Louis. Tu l'as pas celui-là? Mais tiens qu'on a le même du coup. Tant mieux. C'est trop sympa. Pourquoi on a le même? Regarde, on a le même. Ah non, c'est pas le même. Nous avons reçu un appel de Kevin, qui est réalisateur et producteur au sein de la Cité Royale. Nous avons été tellement étonnés par cet appel. En effet, Kevin a proposé un super projet à mon mari, celui de présenter un événement, et pas n'importe lequel, les 20 ans de notre église Impact Centre Chrétien. Une chose en amène une autre, mon mari a été contacté par Africa 24 afin de parler de la situation à Madagascar. Tel que souligné dans le plan Émergence Madagascar, le gouvernement malgache s'est engagé à atteindre l'autosuffisance alimentaire et à stimuler la croissance et la résilience du secteur rural. En adéquation avec cette vision, le gouvernement malgache et la Banque africaine de développement ont mis en place la première phase du projet de pôle intégré. L'objectif final de la mise en œuvre de ce projet sera de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle et à la résilience de la population du sud de Madagascar, notamment des régions Anosy et Androï face au choc climatique. On note une fois de plus le volontarisme des autorités malgaches de pouvoir se préoccuper de la région sud de Madagascar. Les fonds ne sont pas encore assez suffisants au regard des besoins et des moyens qui sont nécessaires autour de cette région-là. Et par ailleurs, il faut tout un appareil productif pour faire de la transformation, pour pouvoir faire de l'exportation, pour notamment aussi recourir au transport sur cette région-là. Et tout cela fait que cela va mettre encore beaucoup de temps. La Banque africaine de développement intervient régulièrement dans les activités de résilience à Madagascar. C'est aussi la fin de l'année pour les enfants, notamment pour Liana. Nous sommes tellement fiers qu'elle a passé une super année scolaire, qui était sous le thème de l'opéra.
Ouais, j'ai vu. Tout a été étudié dans les moindres détails. D'accord. Liana et Thiago, toujours en train de se chamailler ces deux-là, mais au fond, ils ont une grande complicité. Ah,
Non, t'as dit que tu mangeais pas. Donc on a une petite mise en bouche, c'est au pesto. Donc on va goûter cette petite mise en bouche, petit apéritif. Voilà. Au pesto. Eh ben, c'est du pesto. Bien goûter un petit peu, c'est grave. Déjà, on n'a même pas prié. C'est grave, on va faire la prière déjà. Alors, qu'est-ce que tu penses ce fameux mets encore. Ouais, il y a quoi dedans? Du pesto. Tomate, un jus. Oh, il y a du pesto. Alors, tu vas me dire qu'est-ce que t'en penses? Wow. C'est bon? C'est ultra meilleur. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un peu de pesto, des petites tomates. Oui, il y a des tomates, pesto et il y a du on dirait de l'huile d'olive. Exactement. Oh, très fort. Ça te plaît? C'est trop bon. Bon, bah visiblement, ça lui plaît. J'aime beaucoup passer du temps dans ce restaurant. Déjà, on y mange très bien, mais pas seulement. On y passe aussi des super moments, des moments de partage en famille, le cadre y est idyllique. C'est intéressant, c'est un beau sourire. Alors Liana, elle s'est pris en fait... T'as pris quoi ma puce? J'ai pris des frites. Oui. Du poulet. Et de la salade. Avec les petits pots de ketchup mayonnaise. Alors ça a quel goût? Comment c'est? Tout est fait maison, hein. Donc ça faut le savoir. Ah ma chérie. Je vais remonter parce que j'ai mal goût. C'est bon? C'est bon, il fait Isaac. Aussi. Et on va demander aussi à notre petit Isaac. Il y a des enfants. Alors un nugget famille. Un nugget fait maison. Un nugget maison. Alors un nugget fait maison. Voilà, donc, et mon petit Isaac. Isaac, il a pris pareil. Ah, mon chéri. C'est bon? C'est bon pour la caméra. Donne à maman. Donc, Thiago a pris un yassa japonais. C'est pas bien passé ce matin? Alors, vas-y, tu goûtes, tu vas nous dire qu'est-ce que t'en penses. Alors, yassa japonais, on va voir ça. Le riz pilaf. Ça, c'est le riz pilaf. Et toi, ma petite puce, ça va? Oui. Et mon petit Isaac, il commence à avoir un petit coup de barre. C'est vous qui faites les dégustations. Moi, j'ai pris comme entrée une aqua gâtée. Voilà. Donc, je vais goûter et je vais vous dire tout ça. Ouais. Moi j'ai pris des pommes de terre grenaille avec pièces du boucher et des petits légumes de saison avec un petit chardonnay. Alors ma chérie, qu'est-ce que tu as pensé du restaurant? C'était trop bien. J'ai adoré, c'était très bon. T'as l'air fatiguée, hein? Oui, c'est très fatiguée. Ça, c'est la digestion, en fait. J'ai fait une longue journée, c'est pour ça. Ah ouais? T'as fait quoi? J'ai fait le DA. C'est quoi le DA? Tu peux nous en dire plus? En fait, le DA, c'est pour remercier le Seigneur. Oui. Et on se fait un spectacle. Tu chantes, c'est une chorale, en fait. Oui, c'est une chorale, pour Jésus. C'est super ça. Et okay. On apprend des chorégraphies. Ah, tu pourras me montrer tout à l'heure? Ok, donc t'as l'air bien fatiguée. Hein. T'as pris quoi comme dessert? J'ai pris une Ouais, tu disais? Je disais que qu'est-ce qui est drôle avec ma copine, on s'est fait des câlins et en fait on est copines toutes les deux et son petit frère et le mien, ouais. Et ben ils sont copains. Ah, mais c'est trop bien ça. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Cerisia. Cerisia? Oui. C'est vrai ça? C'est vrai. D'accord, c'est joli, c'est original.
Son petit frère, il a un drôle de prénom que je me rappelle plus. Comment il s'appelle? Maintenant, tu t'en rappelles plus. Mais c'est un drôle de prénom. Ouais. Là, moi, j'ai pris un pas vélo là. Moi, j'ai pris ce magnifique dessert, un dessert léger et gourmand aux fruits de saison. Je peux vous dire que c'était vraiment très savoureux. Et pour Grégory, c'était un magnifique fondant au chocolat accompagné de sa boule de vanille. Vraiment une pâtisserie moelleuse, essentiellement composée de chocolat fondant. Et voilà la glace. Expérience vraiment super bien à l'irisée, explorant. Toujours prendre des paroles vert. 1, 2, 3, c'est parti. Waouh, waouh. Ces louanges sont magnifiques. C'est magnifique et c'est l'histoire d'un pas de centre chrétien. Vous vous souvenez des 1000 piliers? Ça nous emmène vraiment au début de... Ah non, excuse-moi. Enfin, on prend un chaud. 1, 2, 3, c'est parti. Waouh. C'est magnifique. Ces louanges sont magnifiques. Vous savez, quand j'entends ces louanges-là, ça me fait penser au moment des 1000 piliers. Je viens de finir ma répétition. Il est plus de 2h du matin, j'ai même pas regardé l'heure. Donc là, je viens de sortir de la Cité Royale. Je suis toujours émerveillé par ce bâtiment, émerveillé vraiment par tout ce qui est utilisé en termes de matériaux, en termes de technologie. C'est vraiment les choses dernier cri. Et là, le vivre ici au milieu de la nuit, c'est encore plus impressionnant. Là voilà, donc vous êtes dans le background que je partage avec maman, tout simplement vous êtes vraiment dans le background, dans le back office de ce qui se passe dans ce bâtiment là qui se situe à Croissy-Beaubourg. Et moi, j'étais là en tout cas pour répéter pour un événement qui a lieu dans cette conférence qu'on appelle la conférence royale. Et là, je vais parler devant plus de 4000 personnes demain. Et là, j'étais en répétition, on a travaillé ici. Là, il est maintenant pratiquement 3h du matin, pour vous dire qu'il y a de la labeur, qu'il y a du travail, il y a de la rigueur. Il y a des femmes et des hommes qui payent le prix, qui sont prêts à donner pour qu'un événement d'une telle envergure, avec un coût faramineux, parce qu'on parle vraiment de millions d'euros pour organiser un tel événement, avec des personnes qui viennent de aux quatre coins du monde. Et pour arriver à cette qualité d'événement, ce que je suis en train de partager avec vous, c'est vraiment challengeant.
parler devant 4000 personnes, voyez-vous. Je vous le dis à titre personnel, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis déjà intervenu auprès de 400 personnes avec un parterre, où il y avait notamment un chef d'État, où il y avait notamment des chefs d'entreprise, de grands groupes importants. Bienvenue dans l'Africa Newsroom à la une ce soir. Après 10 ans de boycott, la branche du Front Populaire Ivoirien restait fidèle à l'ex-président Laurent Gbagbo. Et voici nos invités de ce soir, Monsieur Grégory Sileni, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes fondateur de Madagascar Média et porte-parole du parti Tous Ensemble pour Madagascar. Merci. Quand on parle du Kéré, il faut être très vigilant. Parce qu'on a l'impression, et quand on écoute même l'opposition qui se prononce sur ce sujet, c'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Ça date de plus d'une trentaine d'années. Et même pour vous dire, le Kéré, il avait pris d'autres appellations par le passé. Aujourd'hui, on parle de Kéré, donc le Kéré, c'est famine en malgache. Et moi, je pense au contraire que le président Drazen est très sensible sur cette question-là, comme en témoigne son déplacement au cours du mois d'octobre dernier, de l'année 2020. Il était aussi venu en tant que candidat et en tant que simple citoyen en 2016. Donc il sait très bien que c'est un sujet sensible, c'est un sujet très complexe, parce que 1,5 million de personnes, c'est énorme. On parle de personnes qui vivent à 80% du seuil de pauvreté, alors qu'au niveau national, on est plutôt autour de 72%. Je pense aussi le fait que le président ait donné un horizon en disant qu'en 2021, il souhaite totalement éradiquer le Kéré. Ça permet d'être évalué et de donner un horizon aussi bien pour la population que pour les observateurs. S'entrer dans une ville quand même. Je pense que moi j'irai un petit peu plus loin. La problématique du logement, on est toujours dans les mêmes considérations, c'est qu'il y a une volonté de mimétisme de nos élites et de la classe dirigeante de copier ce qui se fait en Occident et notamment aussi en France. Je pense que la question du logement, en fait, elle renvoie à plusieurs choses. La première, c'est de créer son propre paradigme par rapport au logement. Et c'est là, pour moi, le cœur du problème. C'est-à-dire qu'on a des pays, aujourd'hui, on est en fait dans un contexte, on va dire, entre guillemets, je vais utiliser ce concept de réindépendance. C'est-à-dire que normalement, toutes les infrastructures qu'on est en train de voir dans beaucoup de pays, soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ce que nous voulons faire aussi à Madagascar, c'est des choses qui auraient dû être faites post-années 60. Et on est en train de le faire maintenant. Si ça a pu se faire, c'est grâce notamment aux investissements chinois qui a changé complètement la donne et qui a permis d'avoir un développement rapide au niveau des infrastructures. La seconde chose, c'est que si aujourd'hui, les populations en fait, ont pu évoluer, une classe moyenne a pu émerger en Afrique, qu'on évalue à peu près en vision pessimiste à 200 millions sur le continent, le problème, c'est qu'au niveau du logement, en fait, on n'a pas ce qu'on appelle, c'est l'économiste Stuart qui en parle, le bottom of pyramid, c'est-à-dire que la classe pauvre qui est la plus élevée en Afrique, elle n'a pas un logement qui correspond pour qu'elle puisse s'approprier ce logement financièrement, parce que pour avoir ce logement… C'est tout ce qu'on voulait. Par rapport justement aux affaires étrangères, j'ai envie d'avoir votre avis par rapport à cela, c'est-à-dire quelle est la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique? Est-ce qu'il y a une nouvelle impulsion? En tout cas, c'est ce que ça laisse augurer, en tout cas quand on voit les différents discours du président Macron. Et vous aussi, quel est votre regard par rapport à cette relation, sachant qu'on sait que la géopolitique a beaucoup changé, on est dans un monde multipolaire, et du coup, il y a beaucoup de pays qui investissent en Afrique, notamment la Chine. On sait aussi qu'il y a toujours un peu, quelque part, un ancien logiciel qui est souvent décrié par certaines populations en Afrique. J'en souvenir en mémoire le président Macron qui était venu au Burkina Faso, qui avait été interpellé par la société civile sur les questions du franc CFA, sur les questions de la présence africaine, ou même la présence du G5 Sahel, la France. Ici, un pays ami et partenaire, pour plusieurs raisons, on aura l'occasion de revenir sur les différentes caractéristiques de cette relation que nous avons avec la France. Mais une question de souveraineté essentielle qui a été tranchée par l'Assemblée nationale des Nations Unies, puisqu'il y a deux résolutions aujourd'hui qui précisent que ces îles doivent revenir et doivent être restituées à Madagascar, et que des négociations doivent être ouvertes dans ce sens, et que jusqu'à présent, Madagascar n'a pas pu avoir cette restitution-là. Oui, bonjour aux internautes, Grégory Sileni de Madagascar Média. Je suis donc avec l'association DER, la présidente Anita, et donc Miss Diaspora Malagas
Nelly, première question, c'est pour tous les internautes, tous nos compatriotes qui vous découvrent. Qu'est-ce que ça fait d'être Miss Diaspora en France? Tous ensemble pour Madagascar et le mouvement qui co-organise la venue du président de la République ici en France. Moi, Daniel, de revenir un peu sur ce que tu disais au début, je tiens vraiment à remercier votre radio de nous inviter. Et je pense que en faisant cette démarche, vous qui parlez jamais de politique, de nous donner cette tribune, ça permet d'avancer pour le pays. C'est avec ces petites démarches de chacun qu'on pourra faire développer notre pays. Nous, ce n'est pas le président de TEM, ce n'est pas le président de TGV, ce n'est pas le président du MAPA, c'est le président de Madagascar. Donc tous les Malgaches doivent être fiers de pouvoir approcher, de pouvoir poser une question, de pouvoir interpeller leur président. Mais c'est vrai que les choses sont très différentes quand on fait sur des choses où il y a une valeur affective. Et dans cet événement-là, en fait, il y a une part émotionnelle, il y a un attachement. Et bien forcément, ça a encore plus d'ampleur, il y a plus de pression, plus d'adrénaline. Et c'est totalement différent de ce que vous voir quand vous le faites pour des choses où vous êtes plus détaché. Quand je l'ai fait pour le monde politique, bien évidemment, il y a toujours cette pression parce que la pression permet de dire qu'on va y mettre de la rigueur, qu'on va s'appliquer à faire les choses bien. Mais c'est totalement différent quand vous le faites dans un autre cadre. Et en plus, là, dans la commande, il y avait quand même une part un peu scénarisée. Il y a une part un peu subtile d'entertainment. Donc, il fallait conjuguer donc, entre le journalisme, un registre dans lequel je suis assez à l'aise, relativement à l'aise et à l'aise pour le faire, on va dire, quotidiennement. Et donc s'ajouter à cela aussi une part entertainment, une part aussi jouée, scénarisée. Et donc voilà ce qu'il en est. Donc. Donc là, on est dans les backstage avec le beau gosse de Marie. Beau gosse qui est en train de préparer sa prestation qui va avoir lieu dans une heure. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il va assurer. Ça va aller. Oh, bah oui. Ça va être bien. On va faire ça, on va faire preuve de professionnalisme, de rigueur. Et on va impacter. Amen. Voilà, avec les enfants qui sont en train de manger. No stress. I'm here. À 16h, je sais pas si on va faire une pause, on va enchaîner. 15h45, soyons derrière dans le stage. Okay. Okay. Et avec le béret. Micro à la bouche, s'il vous plaît. Ok, super, merci à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous devez certainement pas me connaître, je m'appelle Grégory et je suis journaliste. Nous n'avons pas forcément bonne presse, surtout lorsqu'il s'agit de parler d'église, mais il y a quelque chose qui nous caractérise, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Moi j'ai une question qui m'a traversé l'esprit, c'est comment une multitude de personnes peuvent main dans la main construire un édifice comme ce lieu à la gloire de Dieu. Je me devais alors d'enquêter, d'observer, d'étudier le mouvement d'impact centre chrétien si influent en France et au sein de la francophonie. Je voulais connaître par-dessus tout les secrets qui ont permis cette croissance exponentielle. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de revenir à la genèse de l'histoire d'impact centre chrétien et de son peuple qui recherche Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a.
Après plusieurs mois de recherche, d'investigation, d'expectative, un courrier parvient entre les mains du pasteur Maud. Je vais vous le lire. Chère Madame Castano, nous avons bien pris en compte votre demande de location pour le bâtiment situé au 21 rue Christophe Colomb à Ivry-sur-Seine. Waouh ! Désormais, ICC a une église pour adorer le Seigneur. Je vous invite à découvrir la suite. Waouh, 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 vous pouvez acclamer. Waouh. 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 Je ne sais pas pour vous, mais ces louanges sont magnifiques. Et ça marque un pacte centre chrétien en train de continuer son expansion. Pour autant, tout le monde ne voit pas la même chose. Il y a des personnes qui sont en train de calomnier les pasteurs, notamment le pasteur Ivan et le pasteur Yves. Un pacte centre chrétien connaît alors ses premières attaques digitales. Nous allons faire un focus sur cette période très importante. Ces épreuves ont permis encore d'être encore plus fort, d'encourager encore à agir conformément au plan de Dieu. C'est alors que plusieurs missionnaires, des fils et des filles de l'Église, sont envoyés aux quatre coins du monde. Cette période de Covid était très singulière et très spéciale. Beaucoup ont expérimenté la dimension de puissance. Il y a eu foison de témoignages, des délivrances, des guérisons. J'arrive bientôt au terme de cette enquête. Et ce que je peux vous dire assurément, c'est que Dieu a béni Impact Centre Chrétien. Alors, épuisant, challengeant, des likes et plus des chaînes, on pourra plus les faire.
Pour l'anniversaire de Thiago, nous lui avons offert un super concert organisé par la Cité Royale où il y a plusieurs artistes préférés de notre fils. Retrouvez-nous sur notre Instagram Liana Isaac Thiago Models, où là aussi vous allez pouvoir suivre nos aventures. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube Maman tout simplement.